voyant la rivière, j'ai compris comment coule l'eau, comment va la vie. Et en voyant la rivière, j'ai compris comment coule l'eau, comment va la vie. J'ai compris qu'un jugement n'existe pas, que si je prends le chemin pas à pas, je ferai toujours plus beau mon présent comme un cadeau. Je ferai toujours plus grand. Salut à tous et à toutes, j'espère que ça va très très bien pour vous, chez vous, en ces périodes de fête. Donc ces derniers jours, je sens un petit peu l'inspiration pour parler avec vous de Dama, mon premier roman, mon troisième livre, qui est sorti cet été et qui commence à se diffuser. Je commence à avoir les premiers retours et je suis très content, très heureux de cette expérience qui a duré, l'écriture en fait a duré plusieurs années, presque 10 ans en fait. Ça a commencé quand j'ai appris la méditation vipassana, quand je suis allé faire à Auxerre les 10 jours de cours pour apprendre la méditation. C'est dans cet enseignement-là que j'ai tiré en fait le terme Dhamma, puisque c'est comme ça qu'on parle dans cet univers-là, puisqu'on utilise en fait le terme en pali, dans la langue du Bouddha, qu'utilisait le Bouddha et qu'utilise la lignée jusqu'à nous, jusqu'à Goenkaji et jusqu'aux enseignants d'aujourd'hui. Donc Dhamma, c'est le Dharma en pali, dans cette ancienne langue. Et donc j'ai appris Vipassana pour la première fois, on va dire, dans cette vie-là, entre guillemets. Et ça a été une révolution pour moi, ça a été vraiment... une grande révélation, une grande ouverture vers une nouvelle partie du chemin, on va dire, très, très efficace, très concret, très, très responsable aussi. Pour moi, Vipassana, c'est vraiment, une fois qu'on connaît bien la technique et qu'on a la discipline et la volonté de pratiquer, nous avons le contrôle, entre guillemets, encore une fois, vraiment la maîtrise, on va dire, de notre propre éveil. Le choix, voilà, le choix c'est le bon terme, de notre propre éveil. Puisque nous pouvons pratiquer avec discipline et cadre. Et à chaque fois que nous pouvons pratiquer 1 heure par jour ou 10 heures par jour, on est libre. Et à chaque fois que nous le faisons, nous avançons vers notre éveil véritable, concret, physique. C'est une libération physique des mémoires du passé, des mémoires traumatiques, on va dire. Et c'est quelque chose de physique, c'est absolument pas une religion ou une philosophie. Donc du coup, ça m'a séduit absolument. C'était vers 2013-2014. Et je suis donc rentré chez moi, j'ai commencé à pratiquer tout seul. Je me suis fait une session, un peu une retraite seule de 3 jours dans une maison de montagne. Enfin, une maison de famille, pardon, à la montagne, en isolement. Et j'avais pas de limite de jours, hein. Je pensais méditer peut-être une semaine ou quoi. Et en fait, au bout de 3 jours de pratique à raison de, je me souviens plus, peut-être 8 heures ou peut-être 10 heures par jour, je me souviens plus. Au bout du 3e jour, en fait, j'ai eu des images très fortes qui me sont venues sur l'écran des paupières, comme un film, vraiment. Et les enseignements, les règles, on va dire, pour bien pratiquer Vipassana, proposent de ne pas se laisser distraire et de toujours continuer à méditer en ne jamais partir dans les pensées, quelles qu'elles soient.
Et là, comme j'étais tout seul chez moi et que je suis libre, qu'il n'y a aucun drame, il n'y a aucun problème à ne pas suivre les règles, je me suis levé et j'ai commencé à écrire ce qui me venait en images. C'était comme un film que je voyais vraiment très clairement. Et j'ai commencé à décrire tout ce que je voyais, une page, deux pages, trois pages au stylo, sur un cahier. Et en fait, ça ne s'est jamais arrêté, quoi. Et à chaque fois que j'écrivais, il y avait une suite qui arrivait. Du coup, j'ai arrêté ma méditation, je suis rentré chez mes parents à l'époque. Et j'ai continué à écrire dans de meilleures conditions, donc sur un ordinateur. Et ça ne s'est jamais arrêté. Alors, il y a eu des phases où je n'écrivais plus pendant plusieurs mois. Et puis des phases où j'écrivais voilà, pendant 2-3 jours d'affilée. Et à chaque fois que je me mettais à écrire, à reprendre l'histoire, à avancer dans le récit, j'en ressortais comme béni, j'ai envie de dire. J'en ressortais enrichi, j'en ressentais vibrant, j'en ressentais inspiré. Et à chaque fois que j'ai eu des sessions d'écriture, j'ai senti une ardeur à méditer, nouvelle, renouvelée. Donc dans des périodes où je méditais plus ou moins, quand je me mettais à écrire, je ressentais cette présence là, des personnages, notamment bien sûr de Prabhayat, le personnage principal, qui venait m'inspirer, me rappeler à quel point la méditation est bonne pour moi. Mais sans que ce soit mental, bien sûr, c'était un ressenti. Et j'ai noté que dans les témoignages, les retours que j'ai eus là depuis donc plusieurs mois qu'il est sorti, eh bien, je relève le même effet chez beaucoup de lecteurs, une meilleure méditation, une nouvelle inspiration à méditer. Donc, en ce sens, entre autres, je suis très touché, très honoré aussi d'avoir été inspiré, d'avoir été choisi, entre guillemets, j'aime bien les guillemets, pour écrire cette histoire et que l'effet soit celui-ci. Pour moi, il n'y a pas plus noble en fait, hein, que l'inspiration à se transformer soi-même, à s'observer soi-même avec courage et vraiment à se libérer et à avancer avec amour et conscience sur ce chemin très concret de libération de soi. Donc, qu'est-ce que j'avais envie de dire aussi quelques mots sur le livre en lui-même. C'est vrai qu'il s'agit de personnages qui vibrent, qui m'ont parlé, on va dire, qui ont communiqué avec moi par rapport à ce livre. Et c'est vraiment vibrant, c'est quelque chose de vivant. Celles et ceux qui le lisent et qui sont connectés peuvent en témoigner. C'est pas une simple histoire, c'est à mon avis une connexion avec des êtres qui ont à cœur de nous apporter une vision des choses, une vibration. Voilà, c'est vraiment une vibration qui passe, de transformation, d'espoir. Bon, c'est aussi toute une histoire avec toute une aventure dans laquelle nous pouvons absolument nous identifier en tant que Français, mais même autres. Et Prabhayat est vivant. Je crois que c'est ça que j'étais poussé à exprimer là, dans cette vidéo. C'est un livre qui est fait pour apporter à la fois la motivation dans la pratique, donc c'est vraiment le côté bouddhique du chemin, ce qu'on appelle dans Vipassana, Adhitana, la ferme détermination, au-delà de tout concept, de toute religion, de toute
philosophie de toute visualisation, de toute prière. Au-delà de tout ça, juste la ferme détermination de pratiquer une discipline qui fonctionne pour nous libérer. Ça, c'est la ferme détermination. Et c'est une science, c'est tout à fait scientifique, c'est palpable, c'est matériel, j'ai envie de dire. Et le livre apporte vraiment un soutien sur les deux aspects du chemin, donc le chemin, l'aspect bouddhique du chemin et l'aspect christique du chemin. Pour moi, ce sont deux aspects différents, complémentaires, qui me nourrissent au quotidien énormément. Je pratique d'un côté la méditation du Bouddha pour être dans cette libération physique des mémoires, très, très concrète, et en même temps l'aspect christique, et non pas catholique du tout, mais alors pas du tout, ni chrétien, ni pas du tout religieux, mais christique, c'est-à-dire la foi, la prière, ce qui est différent du chemin bouddhique Theravada. Bref, on va pas rentrer dans les détails, c'est juste que ce livre apporte le double aspect. Le héros, enfin le personnage principal, et incarne ce double aspect, à la fois bouddhique et christique. Il fait des miracles, il incarne la foi. Le livre en lui-même incarne la foi. Quand on le lit, on peut se projeter dans un avenir parfaitement radieux. Et en même temps, donc le personnage principal, Prabhayat, incarne bien sûr, avant de devenir Prabhayat, cet aspect bouddhique, ascétique, de responsabilité qui est pour moi indispensable, parce que on peut vraiment se perdre dans une mauvaise compréhension des préceptes et des enseignements sur le chemin, et partir dans quelque chose de uniquement prière, uniquement visualisation, uniquement foi, mais est-ce une vraie foi ? Je crois en cela, je vois la lumière, j'ai le troisième œil qui est ouvert. Et beaucoup, beaucoup de gens, moi le premier, sommes déracinés, vraiment déconnectés du corps, de la terre. Donc voilà, pour moi, ce double aspect est extrêmement important, l'équilibre entre les deux. Le côté bouddhique nous ramène vraiment au corps, aux sensations du corps, au courage et à la responsabilisation. Au lieu de dire constamment « je me protège parce qu'on m'attaque, je suis l'objet d'attaque parce que je suis trop lumineux, je suis trop christique », ce qui arrive à tout le monde, hein, c'est pas un jugement, c'est juste que c'est souvent un écueil. Là, on revient vers, grâce à ce chemin-là bouddhique, à une responsabilisation, c'est-à-dire, ok, là, on m'attaque pas, en fait, si j'ai un doute, je fais une protection, une fois que la protection est posée, si je me sens encore mal, c'est que le mal m'appartient, c'est que ce sont mes émotions, ce sont mes blessures, et du coup, on arrête toute réflexion et on va travailler sur soi-même pour se transformer soi-même, se purifier, comme une pierre qui se purifie jusqu'à devenir cristal pur, hein, pour laisser passer la lumière de manière vraiment parfaite. Le chemin est long, le chemin est infini, peu importe. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est ce positionnement intérieur, de dire aujourd'hui, je travaille sur moi avec responsabilité, maturité, et voilà, j'accueille ce que je suis aujourd'hui. Je me transforme aujourd'hui. Et c'est ce qu'il y a de plus efficace. Le livre parle également du fait que quand on agit ainsi, quand on se transforme soi-même, nous transformons le monde. Pendant longtemps, dans le début de cette vie, dans cette ouverture, ce début d'éveil, j'ai pu être, comme beaucoup de gens, très aspiré vers l'extérieur, paradoxalement, et vouloir changer les choses, vouloir changer le monde, ce qui peut être très très beau aussi, mais j'ai compris, je suis en voie d'intégration de ce concept qui dit que quand on se transforme soi-même, très concrètement, mais alors c'est là où vraiment j'ai besoin moi d'appuyer sur ça, parce que je me vois à quel point je peux me mentir,
de croire que je me transforme alors que je fuis, je peux fuir. Et je vois beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas la force d'affronter ce qui se passe à l'intérieur, de faire face. Et c'est ok. Mais lorsque nous faisons vraiment face à ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien, nous pouvons le transformer selon l'attitude que nous avons. Et quand c'est profondément et véritablement transformé, nous retrouvons notre vraie nature, bien sûr, divine, éternelle, amour. Et j'ai envie de dire mathématiquement, mais physiquement, une transformation s'opère dans le monde, dans l'humanité. Une personne qui se libère d'un sujet, on va dire, d'un trauma, va libérer, dans une certaine mesure bien sûr, l'humanité. C'est pour ça que ça fait autant de bien d'être auprès des maîtres, parce qu'ils n'ont pas besoin de parler en fait, nous sommes auprès d'un maître, c'est ça le satsang, d'un être réalisé, et tout notre corps est connecté avec cette vérité, c'est ce que nous sommes, et ça nous amène à nous libérer sans rien faire finalement, de l'illusion. Voilà. Donc, ce livre apporte aussi appuie vraiment cette idée. Et j'ai été inspiré par différents éléments en fait pour écrire ce livre, notamment Ho'oponopono, cette fameuse histoire où, genre, je ne sais pas si c'est la personne qui a découvert Ho'oponopono, en tout cas c'est une personne importante dans la diffusion de cette pratique Ho'oponopono, qui est hawaïenne à la base, technique de pardon et de guérison très puissante. Et j'avais entendu une histoire qui expliquait que cette personne avait trouvé, alors si c'est pas exactement les détails, excusez-moi, mais en tout cas je pense que c'est l'essentiel de l'histoire. Donc cette personne est allée pratiquer cette technique Ho'oponopono dans un hôpital ou une prison, je crois que c'était un hôpital psychiatrique ou une prison, je ne sais plus exactement. Donc avec beaucoup de détenus, beaucoup de patients très mal en point, très malades, très en souffrance. Et ce docteur, ou je ne sais pas exactement ce qu'il était, cet homme, a pratiqué, d'après l'histoire, sans jamais rencontrer les patients, mais uniquement en lui-même, en regardant les dossiers, peut-être en ayant des informations sur ces personnes. Et il aurait guéri la totalité des patients ou des détenus, et à tel point que le centre aurait fermé, parce que voilà, tous les patients auraient été totalement en paix et guéri. Et donc cette histoire m'a touché, et j'y ai cru, et je l'ai entendu beaucoup de fois par beaucoup de personnes différentes, ce qui a renforcé le crédit. Et voilà, j'ai été inspiré, je me suis dit, d'accord, alors du coup, si un individu se libère absolument totalement, au plus profond de lui-même, que se passerait-il? Voilà, et c'est le sujet du livre, Dhamma. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à propos de ce livre? C'est un petit peu un mélange entre l'an 01, pour les personnes qui connaissent, c'est un très vieux livre sur... un très vieux film qui est sorti vers 69 en fait, ou 70, inspiré par tout le mouvement hippie. C'est un film dans lequel nous voyons... Ça s'appelle l'an 01 parce que c'est la fin du monde, en quelque sorte, tel que nous le connaissons, le capitalisme, etc., la consommation, etc. C'est la fin de ce monde-là, et c'est le tout début, donc l'an 01, d'un nouveau monde de paix, de joie, d'amour, d'inspiration, d'intelligence. Et donc ce film, m'a beaucoup inspiré, et c'est un petit peu le mélange entre l'an 01, Ho'oponopono, et La Belle Verte, que je n'ai pas besoin de présenter, puisque je pense que tout le monde connaît. Voilà, et bien sûr Bouddha et Christ qui sont là présents, Prabhayat, Turgaji, qui ont participé à l'inspiration de ce récit.
Merci infiniment à toutes les personnes qui le lisent, qui me font des retours. Je suis très touché de vos retours. Je vais en mettre quelques-uns à la suite de la vidéo. Nous nous retrouvons très rapidement en concert. Plein d'amour à vous. Plein d'amour à vous et à très bientôt. J'ai compris qu'un jugement n'existe pas, que si je prends le chemin pas à pas, je ferai toujours plus beau mon présent comme un cadeau. Je ferai toujours plus grand mon destin, mes sentiments. Je ferai toujours grandiose, oh ma vie est en osmose. Avec toi, avec moi et tous ceux qui nous composent, j'ai rencontré la mère nature se déployer.